pas très loin l'un de l'autre dans les tables. Donc, ouais, non, mais bien sûr. Ah, les listes, on va voir quelle version il a son adversaire. Merci beaucoup. Toi. Merci infiniment. Alors, la liste d'Alex, c'est une liste avec 4 Finhunter de base, 4 Trackhorn, 4 Anges de la Restauration, 3 Unburial Rise seulement, 3 Anges seulement, 2 Garug, 2 Boisside. Et 6 Elfes, donc au total. 6 Elfes et un Obsédor. Un petit Obsédor. D'accord, c'est une liste assez bizarre. 3 Thunderbolt après side. Voilà, 3 sages après, 3 Sin Collector, 2 Boues, 2 Regards de Granit, 2 Interrompre la lignée, 2 Charmes de Golgari et un Behemoth. Bon, il y a des choix particuliers, mais c'est une liste somme toute classique. Et à côté, en face, nous avons donc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça commence où? 4 Blood Artists, 4 Aristocrates de Cartel, 4 Aristocrates Falcon Rat, 4 Doomler, 4 Boros Reckoner, 2 Sin Collector, 2 Tragic Sleep, 3 Tragic Sleep, pardon, 2 Hours of Charm, 4 Lingering Soul, 2 Axes Blasphématoires, 1 Vrie. Ça s'appelle juste Vrie. Dreadbore, ouais, ça s'appelle juste Vrie, c'est pas Vrie d'angoisse. Des froids, ouais, d'accord. Vrie, des froids. Faut pas le faire décliquer lui. Hein. Et 2 Sorin Planeswalker, qui s'appelle aussi probablement pas comme ça. Ouais. Avoris, ouais, en réserve, il a 3, 2 et que des mono 1. Il a du bol que le Sorin à 6 mana soit pas dans le format. Ouais. Il peut marquer juste Sorin Planeswalker, ça c'est game loss. Alors, il a donc 3 envies de. Envie de cervelle. La discard. Ah, la discard de 4+. Ouais. Envie de cervelle. Cervelle, en ouais, c'est ça. Si, c'est ça. Oh mon dieu, les traducteurs. 2 actes de trahison, 1 zilote conscrit, 1 Pissing Needle, 1 Return de Rakdos, 1 incursion dans la crypte. Qu'est-ce que c'est qu'incursion dans la crypte? C'est toi qui retires toutes les créatures d'un cimetière, tu gagnes 3 PV, c'est ça. D'accord. 3 PV par créature. Encore un Sin Collector, 1 Blasphemous Acte de plus, une autre Vrie des Froids. Un assemblée d'Illégion, un Obséda de plus et une caverne de plus. Bon, sa liste est somme toute classique, à part le side où il a parti un peu dans tous les sens. C'est la liste donc Aristo V1. J'espère qu'il nous a entendu, Alex, parce qu'il a toujours pas bougé son truc pour noter les peurs. Hein. Normalement, il devrait mettre un cimetière du bon côté. Normalement, il trace un cimetière du bon côté, ok. voilà, donc c'est les vieilles versions entre guillemets d'aristocrates, c'est-à-dire celles qui jouent encore le rouge. Non, il verra bien les pèves. Ouais, en plus, Alex, il a tendance à écrire très très gros les pèves, on pourra pas se rater. Ça lance des dés pendant 15 ans. Ça arrive, hein, écoute. Tout le monde a sa GS de oh, on avait 2D, on a fait 6 fois draw. C'est pas très intéressant, mais ça arrive. On sait bien que 72% des joueurs perdent le toss. Exactement, 72% c'est des stats avérées hein, sur un panel de personnes qui ont répondu à nos questions. Tous dans le même tournoi. Hein. Tous dans le même tournoi. 72% des gens perdent le toss. Pourquoi vous me regardez? Non, parce que tu dis toujours impair sur pair ou impair. Il dit tout le temps, et surtout il dit tout le temps paire ou impair à la question le plus grand. Oui, c'est vrai. Le plus grand, paire ou impair. Un mec insupportable. Le plus grand, paire ou impair. On notera qu'Alexandre Rojac a un numéro d'essai à 10 chiffres. Et son adversaire aussi. Ça veut dire qu'ils n'ont pas créé leur numéro d'essai en l'an 2000. Ans. J'ai un numéro à 8 chiffres. Oh là là, oh, les papis. J'ai pas joué pendant 50 ans au milieu, mais. Ah ouais, non, mais moi je parle bien entendu en prenant l'intégralité des joueurs du même tournoi. Tu prends 100% des joueurs d'un tournoi, tu leur demandes s'ils ont gagné ou perdu leur toss à une ronde, tu auras 72% de gens qui vont dire j'ai perdu le toss. Les gens perdent tout le temps le toss. C'est tout le temps en mode ah, j'ai encore perdu le toss. Alors que pourtant je suis pas très dur à trouver. En portugais, tout ça. Ah, il a compris. Il garde sa main, il garde tous les deux leurs mains. Le toss. Oui, d'où la blague. Comment on appelle un portugais dans l'espace? Un tosmonaute. Comment tu mets 300 portugais dans une voiture? Je sais pas. Tu mets 100 tos à l'avant et 200 tos à l'arrière. Voilà. Je la connaissais pas, elle est bien celle-là. Euh,
Alors, notre adversaire aristocrate nous joue une aristo tour 2, si j'ai bien. Ah non, c'est un slip, ok, il a juste posé son nom de tapé. C'est un slip tragique. Un slip très tragique. J'ai déjà vu des gens le porter, c'était vraiment tragique. Ça sent le Savage Tour 2. Ah ouais, ça va sentir un Savage Fun Tour. Il a un ou deux anges en main, un Tractusque. Non. Que va-t-il nous jouer en face, Aristocrate? Rien. C'est une impression où les gens qui jouent Aristocrate, ils ont pas de créatures aujourd'hui. C'est un truc de malade, je sais pas ce qu'ils font les gens. Il reste du Savage. C'est pas lui qu'il faut que tu montes les cartes, c'est toi qui dois les regarder. Alors, il a un ange Infinite Thunder de land et un réanimation. Un truc de réanimation. Il a déjà donc son spell de réanimateur qui va aller au cimetière. Il va prendre un land. Ça dépend. Ouais, ça dépend de sa main, mais il avait l'air d'avoir beaucoup de spells, donc a priori il y avait moyen il y avait des chances qu'il prenne le land. Cela dit, c'est vrai que c'est pas si fort Fiend Hunter contre Aristo aussi. Il y a des Boros Reconner dans son deck. Oui, mais enfin il a aussi des mirrors d'anti-bet. Ouais, donc il fait juste land go. Est-ce que c'est qu'il a un deuxième Grizzly ou qu'il a juste rien à jouer? Il a probablement rien à jouer, c'est très possible dans ce deck. Tu vas prendre une 4-1 toi. C'était pas impossible qu'il veuille le jouer en rituel si on avait un deuxième, au cas où il touche un Elf à mana. Ouais. Ah oui, il en a pas un deuxième. Puis il a pris ses 4 points. Il va réanimer l'ange a priori, ouais. Le Hunter sur la 4-1. Oui, c'est mieux, je suis bête. Je suis un enfant, moi je veux toujours réanimer les créatures les plus grosses. Il est légendaire ce 4-1 fly? Non, pas du tout. Oh là là, qu'est-ce que c'est fort comme carte. T'as pas vu le pro tour qu'a gagné Tom Martel où il en met 3 dans la gueule à Joel Larson dans la même partie? Moi j'ai la first pick en plus. Tour 4 ça, tour 5 ça, tour 6 ça. Je vais imaginer la gueule du coup de ce doigt. J'ai la first pick de temps en temps à cube cette carte, je la trouve vraiment trop forte. Quand je vais essayer de monter aggro et que j'ai ça dans un booster un minimum vide, je pique. Hein. Oh là là. 4 mana. Je vais mettre un moins 3, je vais Jérémy. Moins 4 non? Moins 3, je vais Jérémy. Il vient de faire Earth of Charm sur un. Ah, c'est un Earth of Charm! J'ai cru que c'était une vrille. Tout court. Alors, Alex qui est pas super bien dans cette game quand même. Non, mais il a pas grand chose à réanimer, il a pas de quoi réanimer, il est pas super beau là. Mais écoute, hein, en même temps, c'est impressionnant parce que son adversaire a vraiment rien joué. Mais Alex a pas joué grand chose. Il prend 2 donc il va réanimer. Il va faire un Tusk. Ah oui, il y a Tusk aussi, ouais. Trésor. Après voilà, si derrière il a de quoi faire une autre restauration d'Angel et tout, il peut être bien, mais s'il prend. Il n'y a pas de menace hein, dans le. Pas de base. Pas de base, il y en a un side. Il y en a deux en side. Oh. Envie de cervelle, ça remove, non? Oui. C'est spell ou c'est non créature? C'est spell 4 ou plus. Carte, ouais. 4, ça 4 va être pas plus. Mal contre réanimateur. Hein. Ah bim! Oh bim! Ça va être très compliqué cette partie. Oh là là! Ah non, je sors remettre dedans. Ouais, ça remet dedans. Remet dedans. Est-ce que ça suffit? C'est pas sûr. C'est un Burial Rite qui vient de piocher. Il a pioché. Quel talent! Attends, on fait pas top 8 de Modern Master sans talent. Hein. Ouais, surtout vu les decks qu'il a drafté. Par contre, il peut faire 10ème de QT. Sans talent. Sans talent. On peut même gagner un QT sans talent. Ah, il a concédé, donc il a pas pu chez Nobelera, c'est ce qu'il a rêvé. Hein. Ok. Ah, mais ouais, Mouche aussi, quel talent. Voilà, hein. Mouche, c'est quoi ses visuel, yeux, là. Alors, comment ça va sider, à votre avis? Mouche, expert en side. Du côté d'Alexandre, c'est pas impossible qu'il rentre les Sim Collector. Fais l'amour avec le micro. Comme quand tu streams. Mais vas-y, non, là c'est trop près. Vous allez entendre pour la première fois de votre vie la voix de Mouche, Kevin Chiche. Je disais, c'est pas impossible qu'il rentre les Sin Collector vu que les cartes les plus importantes du match-up de l'autre côté ça va être les menaces et les Blasphemous Act, grosso modo. Mais s'il le. Ouais, ok, ouais, ça marche. C'est tout s'il a rentré. Charm de Golgari, ça rentre. Golgari Charm, ça rentre. Peut-être les Gaze of Granite. Peut-être les Severs de Bloodline, même si c'est un peu lent. À côté de ça, il y a. 2 trahisons, 3 envies de cervelle, 1 Zilos. Non, je regardais ce qu'il pouvait sortir, mais on peut regarder le side de l'autre côté, ouais. Ouais, je regarde d'abord ce qui rentre, après je regarderai ce qui sort, mais.
Les menaces. L'Asylus, Appetite for Brains. Ça fait 6 cartes à rentrer. Tête Crypto Incursion. Enfin, je vois pas pourquoi ce serait là si, c'est, si ça rentre pas dans ce match-up. Incursion de la Crypte. Ah oui, oui, ce que tu disais. Oui, oui, non, bien sûr, excuse-moi. Peut-être Obsedat. Bof. C'est une menace qui prend pas Ange de la Sérénité en fait. Ouais, ouais. Et en voyant sa liste, à peu près rien d'autre. C'est vrai qu'on n'a pas précisé quel aristo c'était. C'est le classique. C'est le classique, c'est l'aristo avec du rouge. Je vais mettre un petit R derrière. Un petit red, aristo red. Et cependant qu'on discutait, tu as regardé le nombre de cartes qu'ils avaient l'air de mettre ou de sortir de leur deck. Pas trop, non. Non, bah, oui, bah, par le professionnalisme qui te... Oh, ça va. Non, t'as rien eu. Bah, de toute façon, j'ai rien mis. Elles sont un peu taillées sur la table, donc j'ai l'impression qu'il rentre 7 cartes au moins. Bah, on avait compté 7, a priori, ouais. En plus, pour Alex, en fait, c'est pas évident qu'il rentre les Sin Collector. C'est pas forcément évident pour lui que c'est comme ça qu'il faut faire dans le match-up. S'il les rentre, il doit pas tous les rentrer. C'est ça, s'il les rentre, il les rentre pas forcément tous. Sachant qu'il en a déjà de base, non? Il en a deux main deck. Hein. Non, il en a 3 en side et c'est tout. Ah, je me confonds avec la vie d'avant alors. Mais oui. S'il en a, le troisième est juste pas nécessaire. Oui, oui, c'est sûr que c'est peut-être pas tout. Je veux certainement pas en piocher deux. Oh, j'ai kiffé d'instant classique. Sachant qu'Aurejac doit être qualifié au point, non, déjà. Plus que probable. Il est probablement déjà qualifié au point, hein. Il est vraiment là pour s'amuser, pour jouer à Magic. Hein. Il avait encore envie de faire droit en dernière ronde. C'est ça, probablement. Ça shuffle, c'est vraiment le moment où il faudrait passer des pubs, tu vois, si on avait des gens qui nous payaient pour montrer des pubs. Mmh. Pendant que ça pion, c'est que ça shuffle. Tu veux montrer des pubs, toi? Bah non, j'en ai pas, mais... J'en pourrais essayer de nous faire gagner de l'argent. Ah non, mais si, sinon je pourrais changer de PC et avoir un PC qui surchauffe pas, ce serait cool. Oulala. De l'argent avec les pubs sur un truc à 55 viewers, je suis pas sûr que ça paye la canette d'IFT. Hein. Moi je suis sûr que ça la paye pas même. Voilà. Ou alors il va falloir payer, voilà, passer des centaines de pubs. Hein. Dans les, quoi, 5 centimes. Les pubs c'est à peu près $1 pour 1000 viewers par pub. $1. Hein. Donc pour aller payer une canette d'Asti, je vous laisse faire le calcul, faudrait passer à 55 personnes, faudrait passer environ 200 pubs. Aucun problème. Aucun problème. En même temps, ça pionce tellement entre les deck check, les shuffle et tout. Ouais. On passe nos propres pubs. Au numérique. Numérical. Le rectifrice. De la pub pour d'autres podcasts. Je vais faire la pub pour les podcasts. Quel podcast? Si tu connais le Wesh, le Walter's Weekly Show. Non. C'est un podcast d'un mec un peu bizarre qui traîne sur internet, il trouve des trucs de musique, des machins intéressants. Soit intéressants, soit des trucs, des mashups ou des remixes de Gangnam Style à l'époque où c'était Gangnam Style. Enfin, tu vois, des trucs au courant et il te les passe dans un petit podcast. Il te fait découvrir plein de trucs. D'accord. Je vais créer un mot de texte qui s'appelle pub. Alors déjà tu veux pas mettre le jam, mets l'adresse du blog, ça peut être bien. Le nôtre? Ouais. Ouais. Non mais le faire un peu pour rappeler aux gens, parce qu'il y a des gens qui savent pas en fait. Est-ce que je la connais moi l'adresse du blog? Et j'ai un doute en fait. Mais le mec, il doit chercher dans Google l'adresse de son propre blog. Je savais plus si c'était .com ou .fr.
Donc, pour retrouver les podcasts de Magic, ses vidéos et j'allais dire plein d'autres choses, mais pas tant que ça. Vous pouvez aller sur le site de Magic Live, sur le blog de Magic Live. Vous aurez aussi les First Pick First Pack avant l'heure, parce que souvent j'essaie de mettre les First Pick First Pack sur lesquels on va discuter durant l'émission, genre un jour avant, deux jours avant, que les gens aient le temps de regarder un petit peu. Vous pouvez y réfléchir chez vous. Voilà, réfléchir chez vous. Et puis quand vous entendrez Timothée Simoneau vous dire ce qu'il faut faire, vous saurez pourquoi vous avez raison ou pas. Ouais, alors bon, je vais en passant. Plus maintenant. Je suis pas certain de ton expertise en. Ah non, dans le format, non, on est d'accord. À l'heure actuelle, non. Tiens, bah, je vais le laisser un peu là. De toute façon, il y a de la place en bas de la table. C'est un mulligan pour Alex. J'ai l'impression que ça lui réussit pas beaucoup les feature tables à Alex. Hein. Je m'étonne. Je sais pas si c'est la pression qui fait le mulliganer. Non, pas la bière. Son adversaire a gentiment gardé. Je vais un peu regarder ce qui se joue dans les tables hautes. Ouais, regarde, parce que comme on va falloir probablement prendre des mecs à une défaite et qu'on n'a pas tous les mecs à une défaite, ça peut être sympa. En tout cas, note les mecs. Par contre, ça c'est l'ancien, t'as plus les bons numéros de table. Non, hein. Mais c'est pas grave. Bah, il faut que t'arrives à reconnaître les mecs. Quoi. Oui, mais t'en fais pas. Ok. Tu leur demandes leur prénom, tu les cherches sur la feuille. Histoire de voir ce qu'on va streamer prochainement. Alors, pour ceux qui nous regardent en live, là, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch déjà. Comme ça, à chaque fois qu'on lance un stream, vous serez averti directement quand on lance un stream. Ça spam un peu, mais enfin, un filtre est si vite arrivé, c'est pas très très grave. Moi, je suis pas mal de personnes sur Twitch et j'ai vite fait le filtre. Ensuite, allez aussi nous suivre sur YouTube. Comme ça, à chaque fois qu'on met en ligne les podcasts, et ben vous aurez directement la chose avant même que ça arrive sur le blog. Étant donné que Timothée est un petit peu rentré dans sa campagne natale de Bretagne, enfin natale c'est faux, mais là où il a vécu toute son enfance, on sait pas trop quand on va pouvoir faire le prochain podcast. On va essayer de peut-être le faire sans Timothée, on verra, c'est une possibilité. Quelque chose que j'envisage éventuellement. Une première, ce sera pour le numéro, on a quoi, on est au 16 numéro, on a fait 16 ou 17 déjà podcast. À ce moment là on prendrait, je sais pas, peut-être un mouche si on le met devant le micro et on pourra peut-être l'entendre, peut-être reprendre Alex ou des joueurs un petit peu moins courants dans le podcast. Il y a quand même pas mal de personnes que j'ai pas encore vues et que j'aimerais bien inviter, quoi. Par exemple, le spécial arbitre, si on arrive à retrouver un moment où on a par exemple SMC et Kevin Desprez en même temps sur un endroit où c'est podcastable, ça pourrait être assez sympa. Allez, ils ont lancé les hostilités, il va passer à 18, il va jouer son elfe comme d'habitude, le grand régulard. Son adversaire du coup se tâte, est-ce qu'il va prendre 2 pour faire -1/-1 ou pas? Je pense que c'est ça la réflexion. Non, la question c'est est-ce qu'il va jouer son droit pas 1 ou tuer l'elfe. A priori, ouais, il va prendre ses 2-1. Appetite for Brain. Discard. C'était ça. Hein, sur un mulligan, c'est pas mal. Hein. En plus, il sait qu'il peut s'attendre à Golgari Charm maintenant. Note, même oui, s'il te plaît. Note. Oui, ça aussi c'est intéressant. Intéressant. C'est intéressant de savoir, de voir qu'il fait ça T1 plutôt que d'attendre un petit peu. Ben... Il y a de bonnes chances qu'il utilise tout son mana pendant les 3 prochains tours. Je pense que c'est ça, ouais. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça veut dire qu'il est bien curvé pour les prochains tours. Il voulait aussi tout de suite savoir à quoi ça tourne, peut-être. Hop, un land d'état, un aristo, sûrement. C'est ça, un cartel aristocrate. Elle est vraiment bien cette carte. Hein. Elle paye pas de mine comme ça, mais qu'est-ce qu'elle est solide. Il lui montre tout ce qu'il a vu, hein. Il va pas jouer la source de blanc vert quand il en a pas besoin. Il reprend 2. Encore un mec qui perd la course contre ses blancs. Ouais, Reconner là. Et là, Reconner ça va être. Ah non, l'Indurance. C'est moins grave pour Alex. La Reconner ça commence à devenir vraiment fatigant. Mais prenez la table, il y a des tokens partout sur la table, les enfants. Du coup, une petite coup de patate. Oh, dans un ange. Oh ouais, ça va tuer un token avant qu'il puisse
bloqué. Je ne comprends pas pourquoi les gens laissent bloquer dans ce setup. Je sais pas, parce qu'il est pas très malin. Bah, en même temps, s'il protégeait du blanc, ouais, si, il aurait pas bloqué avec ça, hein, je pense. Il aurait probablement pas bloqué avec son F, du coup, il c'était pas très malin de sa part. Vous avez bien de perdre 2 points gratuitement. Mouche, expert side et expert game. Go, donc ouais, il n'a pas beaucoup d'action. Si se demander si c'est vraiment... Sans source de noir, c'est beaucoup plus compliqué. Un petit acte de trahison. Ah là là, il est pas trop mal placé. C'est pas ce que t'as envie d'en faire en général, mais il est pas trop mal placé. Là, il va permettre de passer pas mal de points. Sauf s'il joue un autre rang. D'accord, donc il prend 6, il passe à 12. Et il va sacrifier l'ange sur le cartel pour lui donner la protéger. Selon du. On s'en fout. Donc pendant ce temps, Alex cherche désespérément un tractus ou une source de noir. Sachant que même avec une source de noir, je suis pas certain de savoir ce qu'il va pouvoir faire. En ce moment, la source de noir ne fait pas grand chose. C'est ça, hein. Infinite Hunter. Bon, ok, soit. Jérémy a raté un land drop. Ouais. Ouais, d'accord, il cible lui, je le protège. Il s'est rien passé. Il a sa source de noir, il va peut-être commencer à faire des choses. Il peut s'attendre à un aristocrate dès qu'il touche son quatrième land. Il a raté 2 land drop déjà, non? Ah non, il était sur la draw. Il était sur la draw, c'est... Et il est en train de faire pas de noter des pelles, ce sera peut-être le deuxième qui rate ce tour. Ce serait une aubaine pour Alex, qui est quand même vraiment très très mal dans la partie. Hein. Oui, Alex C'est toujours les mêmes dans l'étape bio, en fait. Bah oui, c'est toujours les mêmes dans l'étape bio, tu t'attends à quoi? C'est toujours les mêmes. Il n'y a pas de mecs qui sont montés ou de gars qui sont descendus. C'est tous ceux dont on a les decks. D'accord, bah écoute, tant mieux. Hein. Alors, les mecs qui étaient table 4 il y a 2 rondes, bah maintenant ils sont table 2 et table 3. Quoi. Enfin, ils vont pas bouger. Donc cette fois c'était bel et bien un Reconner. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça va mettre une pression assez lourde sur Alex. Ouais, il y a des decks comme ça qui font un jour. Ça va surtout faire que si. S'il peut faire quelque chose pour s'étaler, il va pas le faire pour pas rentrer dans la seconde sac. Ouais. Okay, il a mis son point gratos, c'était bien joué. Oh là là. Ou alors il va jouer un deuxième Fin Hunter. Oh là, tu lui laisses, hein. Tu vas pas sacrifier, ça sert à rien. C'est pas mal la pioche deuxième Fin Hunter. Donc on s'est connu la dernière carte d'Alex. C'est quoi déjà? Golgari Charm. Ah, exact. Tu peux maintenant jouer. Il pourrait régénérer son. Il peut régénérer un Finhunter. Oui, c'est possible que ce soit Real Event, mais c'est pas certain non plus. Si on essaie de Lutus, lui qui a pris Boros Reconner, je pense qu'il faut le régénérer. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Non, mais enfin, ouais, je veux dire, en face, c'est des moins X ou des traîtrises chaque fois. Le rival principal, c'est Tralix Sleep. C'est ça, c'est Sleep, tu vois, le rival principal. Et c'est ça. Un charme, non? Les removals principaux, c'est Tragic Sleep et Menace. Et Powers of Charm aussi? Il y a Powers of Charm. C'est pour ça que bon, c'est relativement kiff-kiff. Hein. Bon, bah d'accord, hein, d'accord. Ok. Non, par contre, il peut faire un. Vraiment pas très bien pour Alex, le deuxième Reconner. Il peut faire je bloque, je mets moins 1, comme ça le marqueur. Oh là là, minimax! C'est l'impressionnisme. Il a attaqué avec... Oui, en fait, il a un Vault of the Archangel sur table, donc il peut gratuitement passer des trucs. Mais donc, t'as noté le point? Oui, je l'ai mis à 13. C'est comme je regardais le mur en même temps. Le mur était tellement intéressant. Les prices sont blocs et étaient en 3 amica, je crois. Alors en Momir, t'es à peu près à 55-45 contre tes adversaires. Ils savent pas faire des phases d'attaquer le bloc. C'était pas ça la question. Mais c'est juste pas avant, si c'est juste de la chance, non. D'accord. D'accord. Oh, Lingerie Soon plus Blood Artist, ça commence à ne pas
trop rigolé de la part de son adversaire. Pas d'aristocrate. Il le garde pour non, le tour il a peut-être juste, voilà, il a peut-être juste préféré faire ça, hein, parce que là, le tour d'après, il met 6, 7, 8, 9. Le tour d'après, 10, il fait aristocrate et il prend son Volga Richard. Exact. Ben, l'aristocrate devrait survivre, vu que c'est bien un humain, Carter aristocrate. Mais attends, il est en train de tout s'afficher tout de suite, là, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre 2 points, 3 points. Il va drainer de 1 déjà. Sinon, c'est très bien en fait, j'ai rien dit. Sachant qu'il ne peut absolument aucun moment activer son Volt s'il a envie de pouvoir faire contre Gary Charm. Donc le bloc into. Il l'active. Enfin, un drain à 4. Il fait un drain à 4. 13. Jérémy pouvait bloquer une des bêtes. Ouais, bah oui, c'était gratuit. Hein. Et la saquer pour prévenir 2 points. Pas pour prévenir 2 life. Ouais, ou alors il essaie et puis il drainait 2. En bloquant Pilgrim. Ce qui était mieux. Ça revenait au même. Ouais, tout à fait. Là, Alex, il risque quand même de prendre la misère là, en fait. La misère qui tient, hein. 6, 7, 8, 9, 10. Tu prends 10. Tu peux prendre au total 10 sur Aristocrate. C'est ça. En sacrifiant tout son bord. Il peut aussi prendre un Blasphemous Act, je récupère 2 Reconner et t'as pris 10 000 dans l'affaire. Tout à fait. C'est vraiment très très sale aussi à ce niveau-là. Enfin, il faudrait attaquer avant, ce qui a priori va pas être le cas. Il fait un Injuring Soul. Enfin, il peut attaquer. Non, ça il... va pas être très cool ça. Ouais. Ah ouais, c'est pas rigolo ça. Parce que du coup, il peut flashbacker, attaquer pour 3. Derrière, il peut bloquer toute la table adverse et tout sacrifier pour empêcher le lifelink. Non, il va pas, il va peut-être bouger. Ou alors ça. Il va faire un decay. Ce qui est pas mal non plus. Il passe à 11, son adversaire passe à 9 et il récupère le. Non, je crois que c'était mieux le garder ça, non? Le decay? Vrille. Ah, c'est une vrille. Il joue pas d'adversaire, Socrate. Oui. Ouais, c'est pas évident, c'est pour ça que ça change grand chose en fait dans la game de le garder ou de ne pas le garder. C'est même si son adversaire joue Ange, c'est la fin grâce au Reconner. Non, c'est pas la fin grâce au Reconner. S'il joue Ange, il enlève ça, ça et ça. Si il joue Ange, c'est plutôt relou. Donc il fallait pas le faire à ce moment-là. Ouais, mais il a pas Ange. Ouais, mais enfin il peut le piocher, tu vois, normalement il y en a 4 dans les listes. Alors que sinon, il lui laisse probablement moins d'out. Après, il y a toujours le côté Tractus qui peut être chiant, effectivement. Il y a aussi 4 Tractus. Non, il en reste 3 par contre. C'est la phase de bleu. Parce que tu sacrifies 2 tokens pour filer pro vert, pro blanc. L'autre potentiellement first strike. Après dommage de first strike, tu peux le sacrifier pour éviter le lifeling d'une deuxième bête s'il bloque avec plusieurs bêtes. Ça ferait un drain à 1-2. En plus, ça serait 3-4. Non, ça suffit pas, c'est pas le bon play. Il a encore une Injuring qui peut flashbacker, non? Ouais, c'est ce qu'il va faire d'ailleurs, il va commencer par ça. Il a dû compter le nombre de points que faisaient tous ces tokens aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En réponse during the flashback. Donc là, ça va sacrifier sévère. 1, 2. Donc là, tu vas te drainer 2, tu vas passer à 7, tu vas passer à 13. 3, c'est 14 à 6. Sacrifier le goût d'artiste. Ah oui, j'imagine. Plus. 5 à 15. Et le Blood Artist, on a compté. Le Pilgrim, 4 à 16. Et normalement, il y a un point d'attaque. Ah non, il va attaquer avec le Reconner aussi, de toute façon.
Mais il y a au moins un point avec l'aristocrate qui est protégé de tout plein de trucs. Du coup, il a ses tokens. Et du coup, il y a ses tokens qui vont arriver là. Ah, c'est oublié. Ça, oublié. Ah non, c'est bon. On va pas laisser Alexandre gruger deux fois en deux jours. Ah oui, aristocrate, c'est beaucoup plus intéressant. Regardez, je suis totalement d'accord. C'est assez intéressant. Oui, bah juste lui mettre un point, t'as qu'avec les connards, c'est pas très utile. Bah ça va tuer une bête en face, ouais, c'est sûr que rien. Ça va tuer une bête en face sans mettre de points. Ça va mettre un Finn Hunter dans le cimetière adverse. Ouais, c'est pas très mal. Hein. Il va mettre un, il passe à. Ah non, tu vois, il a tes gars. Et Alex bloque. Ah oui, bizarrement. Non, pas un. Il a mal compté probablement. Il avait pas compté, peut-être que ça tuait le. Je sais pas. Non, mais il a oublié, je pense qu'il a juste oublié que le gars avait 0 en force. Un grizzly, alors tout va se jouer là, mon garçon. Un ange. Non, il a pas de réanimé, t'es pas de land, de toute façon il a pas 5. Si, mais le land, si, il y a un land dans le grizzly. Mais... Non, mais. Il peut prendre l'ordre du réflexe s'il avait le seul qui réanime en main, mais il l'a pas. Et ça fait 2-0 pour Aristocrate. On va arrêter de mettre ce pauvre Alexandre en figure table, il gagne jamais. Ah oui, ça lui va pas très bien les features. C'est plutôt logique, c'est pas un match-up particulièrement fou pour Junk. Ouais, ouais, c'est un mauvais match-up. D'autant plus qu'Alex a très peu de removal et que ses removal c'est seulement des Finn Hunter. Et que son adversaire, il a fait Appetite for Brain sur un Mulligan à 5 et il a réussi à toucher derrière. Un Mulligan 6, il touche derrière et c'est vraiment très très fort pour, très, très bien pour lui. Aussi. À ce moment-là, c'est vraiment dur. C'est la 2. 2 Z pour Aristocrate. Les gens se serrent la main et rangent leurs cartes. Je vais pas regarder jusque-là.